Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue dans le mâle dedans. Enfin là, c'est la femelle pendue, j'ai envie de l'appeler celui-là. C'est complètement gratuit. Bienvenue et bienvenue à tous dans l'épisode 4, dans lequel nous étions toujours dans le village, avec l'espèce de fou qui est toujours attaché dans sa grange. Le toubib qui me dit, il faut qu'on trouve Leslie, et que moi j'en ai complètement rien à péter. Le jeu qui a décidé de me donner des produits de soins, des fusils à pépons, et des arbalètes complètement cracos, mais sinon c'est pas grave, hein, c'est complètement gratuit. Et enfin, cet enregistrement que nous allons écouter. Allons-y. Expérience numéro 4. Sujet numéro 4 à 13. Activité cérébrale réduite. Mais synchronisation réussie. Ah. Les sujets devraient commencer à ressentir une conscience commune. Oh. Les tests précédents ont montré une rapide détérioration de cette conscience. Leurs esprits sont devenus une masse informe, un amas de charogne mentale. Je dois me connecter moi-même pour ressentir la terreur qui les envahit avant qu'elle ne diminue. Ah. Donc y aurait-il des expérimentations d'un mec qui fait des expérimentations folles? Oui, classique, le schéma classique, j'ai envie de dire. Ah, donc c'est bel et bien des expérimentations peut-être psycho-cérébrales, de psycho-pouvoir. Et que tout ceci serait en rapport avec le fantôme d'Altaïr ou le fantôme d'Ezio, c'est comme vous voulez. Ah, ah, oh, oh! Ah, des balles de fusil à pompe! 1, 2, 3, 4 et une boîte entière! Il doit y avoir au moins 50 mi... 2. Bon, on va pas se plaindre, c'est un jeu vidéo. Sérieusement, ça vous fait pas chier, ça? Putain, si tu veux me donner que 2 balles, au moins donne-moi 2 balles. Mais fais pas semblant que tu m'en donnes 150. Oh là là, fais ton jeu bien, Bugdash. Urie, police! Est-ce que je peux ouvrir là? Non. Bah, y a toujours cet enculé, là. Je me demande si je peux l'avoir. Ce serait risqué, hein. Ce serait risqué. On va descendre par le bas. On va peut-être même aller sauvegarder depuis le temps que je le dis. Là, il y a une bouteille. À ton avis, ça peut être intéressant. C'est toujours utile d'avoir des objets secondaires dans la main. Ça peut parfois... je vais pas dire sauver la situation, mais ça peut offrir des possibilités qui étaient jusque-là inexplorées, inespérées. Voilà, tout à fait. Il n'y a nulle part où aller. Et là, il y a la porte... D'activer ça activera sans doute un piège. Personnellement, je préfère m'en abstenir. Péter la vitre. Passer au travers de la vitre. Passer au travers de la barrière. Oh. Une tour de garde. Ah le con! Ah le gars, il est tombé du haut de la tour de garde! Et moi je le regarde! Quand tu tombes du haut du 5e étage, la première réaction du passant, c'est de sortir son zippo et de mettre le feu à tes cheveux. Oh putain. Oh mon dieu, c'était débile. Oh, c'était profondément débile. Oh, allons-y. Oh, merci le zombie. Oh, tu m'as donné du rire, là. Tu m'as donné du rire. C'est joli. Oh putain, mais c'est une statue! Wait! Putain, moi je suis con, moi je le regarde. Oh, c'est sympa ça. Attends, c'est une statue. Mais c'est une statue comme l'autre. Est-ce qu'elle donne une clé? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une arme de corps à corps? Un carreau aveuglant. Carreau pour la balette, agonie, produisant un puissant éclat de lumière qui aveugle l'ennemi. Vous pouvez ainsi le tuer avec une attaque furtive. Ah! Oh putain, des pièces. Et un bocal, un méga bocal. Oh, plus 1000. C'est bon ça. C'est bon ça, c'est délicieux ça. Comment vais-je faire pour atteindre le... Ah! On vise. Oh! Touché! La clé est tombée. Faut que je redescende, merde. Oh le con, ouais. Oh putain.
Oh, entre lui et le zombie qui sort du four dans Resident Evil 4. Oh, j'ai jamais autant ri. Ah, ça fait plaisir. Oh, putain, ça me détend surtout un grand coup, chers amis, parce que je vous avoue, c'est assez oppressant quand on y joue à cette heure-ci. Sans lumière et tout, sans son, sans bruit, sans rien. Oh, la vache. Oh, le con, ouais. Ça, c'est juste pour les guaquer. C'est juste pour les guaquer mentalement. Oui, non, j'avais mis le feu à ce type. Putain, j'avais raté ça en plus. Eh. Dans le précédent épisode, j'avais raté ça. J'avais mis le feu au type, mais j'étais pas monté dans la. C'est idéal si j'arrivais à en avoir au moins un sur deux. Yeah. Au moins un sur deux. Des balles. Ça sert à rien, lui, monsieur garde va me voir. Monsieur Vigie va me voir sitôt que je vais. Non. Non, non, là ça devrait passer, sauf si tu se retournes. J'espère qu'il se retourne pas, retourne pas, retourne pas, retourne pas. Yeah, super. Il faut vraiment que j'aille sauvegarder. Hein. Allez, tu me lâches rien? Il me lâche rien, le premier. Note to self, je vais me mettre à courir un petit peu pour la beauté de la forme. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Sinon, ça va, toi? Bien ou bien? C'est... C'est le monde à l'envers ou... Je croyais qu'il y avait un monstre qui m'avait vu, mais il ne m'a pas vu. Bon. Tout va bien, alors. Très bien, on est revenu au début de la map. Au début de la map, il y a une petite maison avec un miroir, normalement. Là, c'est là-dedans. Très bien. Ça dit qu'il y a un méchant dans la zone. Bizarre. C'est pas grave. Police! Allez, barrez-vous les cafards! Wouh! Le Lennon sauvegarde! Yes! J'ai quelque chose. Salut Gisèle! Ah! Bah alors? Veuillez me suivre. Ok, avec plaisir. Je peux prendre le journal d'abord? Y'a pas de journal là? Non? Non, tant pis, y'a pas de. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Missing. Ah, Oscar Connelly. Ah, je peux le prendre! Disparu, agent Oscar Connelly de la police de Crimson City. Oui, il s'est transformé en zonzon, j'ai buté. Sa voiture était abandonnée aux abords de la ville. Bah alors? Bah non, la ville s'est écroulée et on s'est barré avec l'ambulance. Sa voiture, elle était sur. Wait. Ok, je comprends pas grand-chose à ce jeu, je l'avoue. Tout ceci n'est que spéculation. J'espère que ce jeu explique tout avant la fin. Sinon, je vais péter des câbles. Où est-ce que vous m'emmenez? Ah, c'est clair, qu'est-ce que tu veux me faire faire, là? Je suis dans le bureau du directeur. Pas très causante. Mais pas très causant, dis donc. J'aime bien cueillir des fleurs, aussi. Où est-ce qu'elle m'emmène? À la morgue? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, Brigitte? Inspecteur Castellanos? Oui. Possédez-vous une clé comme celle-ci? On cette la voit clé pas, vous mais... permettra d'ouvrir un de ces casiers. Ah! As a matter of fact, I do! En vérité, j'en... Effectivement, j'en possède deux. Un de ces casiers, d'accord au pif! Waouh! Mais y'a quoi dedans? Le contenu vous appartient. Ok. Oh! Un harpon! Quatre harpons! Ah, je peux pas tout prendre, d'accord, plein. Oh, c'est gentil, ça respecte. Voyons voir. Ah! Des balles! Excellent! D'accord. Donc j'imagine que ça en donne pas à l'infini, mais juste ce que je peux transporter, en fait. Eh, c'est super sympa, eh! Merci, Brigitte!
On va en profiter pour voir du coup s'il n'y a pas une petite amélioration de dispo. Avec 5000, je suis sûr que je peux améliorer quelque chose, faut pas déconner. Allez. Blah. Ok. Jauge de vie, ça pourrait être intéressant. Temps de sprint maximal 6000, mais ça passerait à 6 secondes. Ah, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. En plus, tu gagnes 2 secondes, quoi. Donc 6 secondes, c'est pas rien. 6 secondes, tu peux vraiment t'enfuir. J'ai pas pris l'efficacité de l'attaque au corps à corps. J'étais revenu là-dessus. Arme, parce que je m'en sers presque jamais. Enfin, si, mais précision, ça peut être pas mal. Cadence de tir, multiplicateur de dégâts. Vitesse d'armement, portée, vitesse de rechargement. Je sais pas encore comment ça fonctionne, donc je vais pas demander à augmenter ça. 2000, putain, c'est cher. 2000 pour les carreaux. Carreau explosif, charge augmente les dégâts infligés aux ennemis dans un rayon de 3 mètres. Durée d'aveuglement des ennemis peut être augmentée de 3 secondes. Ça te donne le temps de faire 2 kills, ça, presque, dans un groupe. Inflige dégâts supplémentaires aux ennemis touchés au niveau 5. Des dégâts de feu sont aussi infligés. C'est craqué, ça. Je vais prendre l'amélioration pour transporter plus de carreaux. Parce qu'on peut les créer. Comme on peut les créer, c'est quand même pratique. Et enfin, je vais améliorer les carreaux aveuglants. Alors, je peux plus rien améliorer. Non, je peux plus rien améliorer. Très bien. Ah. Parfait. Très bien, on progresse. Tac, 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 tac. Regardez-moi ce temps de sprint. Ce temps de sprint. Si je reste statique, je regagne plus vite du sprint que si je me mets à... D'accord. Allez, c'est parti. Wait, attends. Bob, t'es con. T'as pas sauvegardé. Oh, j'ai pas sauvegardé. Brigitte, mon insuline. Ma morphine. Oh. C'est bon, ça, la sauvegarde rapide. Je crois aussi que je peux partir par un... Ah. Allons-y. Parfait. Je suis prêt. Ramenez-vous. Que fait la police? Ah ah. Yeah. Oh. Voilà qui lui apprend le respect à cet imbécile. Et enfin... J'en entends un là sur la gauche. Oh shit! Ah! Raté! Haha! Haha! Magnifique saut de la part du Lennon. Putain, il est impossible que j'arrive à le toucher. Oh, on peut tenter une charge, hein. Chargé! Il brûle! Police! Ah! De l'arme de harpon, je vais peut-être m'en servir. D'accord, c'est pour changer de type d'arme, très bien. Compris. Oh! Ça c'était juste pour leur pousser. La moitié, situation est à moitié désespérée. Ah! Touché! Touché, salope! Hop 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 hop, on court, on court, on court. Elle a un couteau. Ah. Ah, glag, 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 glag. Attends, la tête, la tête. Urié. Arg. Elle va me buter si ça continue. Oh, elle m'a eu. Elle m'a eu, je suis dégoûté. Ah. Vous êtes mort. Ah, c'est parce que j'avais plus d'allumettes.
Ah putain, où sont les allumettes, quoi? Oh là là. Et je suis ramené là? Wait, je suis où, là? Wait, j'en suis où, là, dans l'histoire? Est-ce que j'ai mes améliorations de quoi que ce soit, là? Une seconde, madame la juge. Attends, on peut déterminer ça, si je crée plus de carreaux. Attends. Tac. Une seconde. Fabriquer des carreaux. Plein. Ouais, c'est bon, j'ai déjà mon upgrade. Oh! Question, combien ça coûte de fabriquer un carreau? 2 et 2, ça coûte la même chose, très bien. On va peut-être en fabriquer un ou deux alors. Elle se relève. Ouh ! Magnifique tir de la part du Lennon. C'était mes braves amis, le tir de la vengeance. Quant à lui. Vous n'avez pas un là? Ah bah j'ai rêvé, j'ai cru voir un ennemi, alors excusez-moi, j'ai cru voir un ennemi, j'ai juste craqué psychologiquement. C'est le craquage du Lennon. Le craquage psychologique d'un homme. C'est pas grave, tout va bien. Putain, ce village, il m'en donne du fil à retordre quand même. Je peux pas taper là? Non. Allez, je tape avec l'arbalète, mais ça ne va pas aller loin. Est-ce que du coup lui il est mort, lui là-haut? Oui, il est mort. Ok, j'ignore pourquoi, mais ça a sauvegardé le fait qu'ils étaient morts. Ah ouais, par contre ça a sauvegardé le fait qu'il mène me voir, lui. Bon, réfléchissons à comment on va pouvoir l'attaquer, lui. Gullier! Je te tiens. Ouh, yeah. Et il m'a lâché sa hache, l'enculé. Excellente nouvelle que tout cela, mon cher Lennon. Très bien. Je peux aller me planquer dans un coin. Eh bah putain, c'est de la guérilla, chers amis. C'est de la guérilla. Le Lennon en chie. Fabriquer des carreaux. Oui, merci. Carreaux aveuglants. Oui, merci. Et un autre carreau explosif. Il va falloir. À un moment ou un autre, il va falloir être raisonnable. Allez. Hop. Là, je vais sortir le pistolet parce que j'ai encore pas mal de munitions pour ça. Là, maintenant, je peux monter. Pourquoi il s'excite tout d'un coup, lui? Ça va être difficile de sneaker sur lui. On peut espérer qu'on ait de la chance. On a de la chance! Ouh, yeah. Hey, c'est ça, agite-toi si tu veux. Dandine du popotin, je sais que tu es mort et... Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. Je dirais ma hache, mais d'ailleurs ma hache, où est-elle passée? Bon, c'est pas très grave, j'ai perdu mon bocal, mais... Et j'ai perdu ma hache aussi, super! J'ai perdu mon arme à one-shot les ennemis, mais sinon, sinon je vais pas me plaindre. Hein. Merci Bogtejta. C'est pas grave, on va pas se plaindre, on progresse! Non, c'est bon, j'ai rien vu. Donc là, ça monte. Et ça mène. Ah! Ça aurait pu être une attaque par derrière intéressante par là. Ah ah! Une porte! J'espère qu'on en a presque fini avec ce niveau. Je vois des choses. À quoi sert ce levier? Oh! Charmant!
Charmant, charmant, charmant. Ok, ok, très charmant. Bon, bon, on prend la bubule à liquide. Ah ah, un piège. Avec un tiroir, ça s'ouvre pas ce tiroir? Non, il s'ouvre pas. Un piège, un piège, un piège. Je pourrais choisir de l'activer manuellement. Ou plutôt de l'activer en attendant qu'un méchant passe dessus. Mais personnellement, je préfère me battre contre l'ancienne. C'est vraiment dommage que les armes au corps à... enfin, les attaques au corps à corps fassent pas plus de dégâts que ça. Ou alors, ça les met juste au sol. Ils nous regardent. Nous ne pouvons pas partir. Qui ça, ce type là? Ou tu parles de Ezio Auditore, le fantôme d'Ezio? Bon, je suppose qu'il faut monter à l'étage. Tac, 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 tac. Ah ah, d'accord, c'était cet étage-là. Là où je me suis battu contre la folle, très bien. Là où je me suis battu et où je me suis fait tuer. Tout à fait. Ah, des allumettes. Merci. Du harpon et j'en ai plus. Très bien. Très bien, très bien. Soit, c'est pas grave, on fera sans. Très bien, très bien. On va repartir. Alors attends, on va avancer. Aha! Une statuette de femme ésotérique! Oh! Où est la clé? À moi! Une clé délicieuse pour plus de munitions! Ah, ok, le machin, il n'a pas entendu le point de sauvegarde, mais. Ok, il est au-dessus, mais il est à la fois au-dessus et en dessous. Et il a une hache, lui. Donc on va être prudent. On va être prudent, on va être prudent. Il y en a un sur le côté et il y a lui aussi. Ah. Soyons patients, chers amis. Il va peut-être bouger ou changer sa location ou... Je vais peut-être récupérer la pièce, ça me permettrait d'avoir un tir de harpon en plus presque. Je vais sans doute faire ça. Surtout que si cet enfoiré ne bouge pas... c'est pas le bon tir. Ouh! Je l'ai eu à la jambe, je l'ai eu à la jambe. Ça compte! Ha ha! J'ai peut-être raté mon tir, mais ça compte, fumier! Ha ha ha! C'est ça qui est bon. T'as pas une hache là à me lâcher? Bah alors, il avait pas une hache lui? Bah alors? Alors, comme c'est les ennemis, ils ont des haches, mais ils me les lâchent pas, putain! On se croirait dans un mauvais FPS où les ennemis te lâchent pas leurs armes. C'est dégueulasse. C'est de la rétention d'armes, ça, monsieur le juge. C'est illégal. Bien tenté, je bien tenté. Mais pourquoi cette vitre a été explosée? Alors, apparemment, il y a un monstre qui me voit. Ah ah. Apparemment, il s'agirait de lui. Apparemment, il s'agirait de lui. Oh! Je ne sais pas. Je n'ai pas bien vu où se trouvait le problème, madame la juge. Voilà deux balles. Ah ouais, c'est ça. Hein. Il a tenté d'activer le piège, c'est pour ça que ça a fait bip 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 bip. D'accord, d'accord. Il y a cru, il y a cru. Ah ah! Du bonus, à moi le bonus! Encore du matos, encore un carreau d'arbalète gratuit. Gratuit, mesdames et messieurs. Ok. Toi, tu te retournes, c'est pas grave. Pa 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 pa. La 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 la. Et il est mort. Ça lui apprendra, tiens. Voilà que tu lui as appris le reste. Attends, il y a des caisses derrière ce truc. J'ai vu qu'il y avait un coffre. Sauf que connaissant ce jeu, je vais prendre un risque et dire qu'il est piégé. En plus, ouais, en plus j'ai même pas vu ça, moi. Alors, hein. Les nonnes qui ne voient même pas les pièges les plus basiques. Et comment ça s'ouvre, ça?
Ouvrir complètement un coffre pour en révéler le contenu. Si le coffre est piégé, ouvrez-le seulement à moitié pour désamorcer le piège. Ah! Il est piégé! Il est bête! Ah, c'est bon. Ok. Là, carreau explosif et des balles de fusil à pompe si je ne m'abuse. On va peut-être pouvoir désactiver cette bombe en fait. C'est bon. Ok. Ok. Alors si je suis la logique Resident Evil, qui décrit que un boss doit forcément être équipé de la clé slash le biniou slash le machin qui permet d'avancer, j'en déduis que ce monstre qui est derrière le truc là est un monstre très puissant avec une tronçonneuse, comme j'en ai déjà affronté. Si ma déduction est correcte, il va falloir stratéger. Si ce que j'ai lu est bon, normalement, excusez-moi, je relis le didacticiel. J'arrive. Y'a pas les arbalètes explosifs? Merde. Archive, est-ce que je peux voir? Non, entrée du journal, fuck. Bon. Si ce que j'en ai déduit est correct, normalement, fabriquer des carreaux, bon j'en ai fabriqué un, j'ai pas fait exprès, ces flèches là en l'occurrence sont informations. Carreau explosif pour rappeler, explosion à l'approche de l'ennemi, ah ah! C'est bien ça, il peut être placé au sol et au mur et tout ça, c'est ce que j'avais lu. Donc, si on réfléchit stratégiquement... On en place un là. On s'éloigne un peu. On en place un autre là. Est-ce que je les active? Je ne les active pas et je peux même les récupérer. Oh, regardez, ça a bugué pendant une seconde, on a vu le type. On peut même... Ça passe. Ça passe, ça passe. On peut stratéger en faisant ça comme ça. En place un deuxième ici à la porte. Et le troisième je le place à la sortie de la porte. J'en garde un quatrième par acquis de conscience. Je le savais. Je le savais. Sors, 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 sors. Il prend des raccourcis l'enculé. Il triche. Oh, explosion. Merci Terry Crews. Hop. Oh, explosion deuxième service. Oh, explosion troisième service. Ah, blablabla. Il dit dit. Non, ah, ah, blablabla. Échec total et absolu de ma stratégie. Bon, la question c'est où est-ce que je reprends? Je suis où là? La question c'est où est-ce que je reprends? Où suis-je? Où est-ce que j'en suis? J'avais lu sur un test apparemment que ce jeu est très chiant pour ça, c'est qu'il vous informe pas du tout d'où vous en êtes, de ce que vous avez buté, et ça ne sauvegarde que Pouic, alors que sur PC ils auraient pu mettre une sauvegarde rapide, j'avoue ça aurait été salvateur. Ce mec est déjà mort. J'en déduis que tous les gars à l'intérieur de cette maison sont morts. Je sais pas du tout où j'en suis. Voyons voir. Est-ce que j'ai créé les arbalètes? Non, apparemment non. Si, apparemment si. Je ne sais pas. Je ne sais pas où j'en suis. Ah ah, je n'ai pas récupéré cette potion. Excellent. Du coup, j'ai pas récupéré la caisse là au-dessus. Du coup, je n'ai pas tué l'enfoiré. L'enfoiré à la hache. Tout à fait, excellente remarque. Allez, approche. On va pouvoir tester comment ça marche. Ça marche. Oh. Ha ha. Il est mort.
et trucider. On va récupérer son gel à la menthe délicieux. Et on va recommencer la stratégie, chers amis, parce que je suis persuadé que cette stratégie fonctionne. Ou du moins, c'est la meilleure stratégie que j'ai, en fait, là, pour le coup. Il se retournera pas, je pense. Il se retournera pas. Pas sur tout le trajet, là. Non, il se retourne quand il est en boue. Donc, si on peut économiser des... Oh! Voilà! Donc là, il meurt. Il meurt, j'ai même pas besoin de lui mettre le feu. Très bien. Là, je récupère ça. Ok. On va y arriver, hein, on va phaser. On ouvre le coffre doucement! Doucement. Voilà. Ah putain, la flippe. Eh. Doucement. Ouvrier. On s'équipe de l'arbalète à boboum. L'arbalète à bobombe. Je l'avais pas désactivé, ça. C'est bon. Ah, ça, il est obligé de passer par là. Obligé de passer par là. Très bien. La stratégie, chers amis, c'est ce qui viendra à bout des monstres tels que lui. Il est obligé de passer par là. Et même si j'extrape... Oh, ce câble là. Ouais, non, mais c'est un piège à con. Je vais me faire avoir, en fait, par ce câble. C'est un piège à con. Je vais me faire avoir, je préfère l'enlever, chers amis. Là, ce câble. Est-ce que j'ai toujours la clé, au fait? Je la vois pas. Je sais pas si je l'ai, c'est pas grave. Tac. Voilà, il va essayer de couper en passant par là. Moi, je vais monter les escaliers dans ma fuite irréfrénée, puis me diriger vers là-bas. Je serai dans un cul-de-sac, je vous l'accorde. Mais si j'ai pas réussi à le buter d'ici là, c'est que je vais mourir. C'est tout, hein, y a pas d'explication, y a pas de sauvetage. Ok. Agro gros. Pourquoi le boss ne veut pas se déclencher, chers amis? Et puis il y a un méchant apparemment qui est là. Agro gros, monsieur boss. Agro gros. Monsieur agro gros en chef, vous êtes demandé à l'accueil. À l'accueil de l'agro groisme. C'est pas vrai, ça. Le boss qui décide de faire sa morue, qu'est-ce que c'est que ce putain de bug? Allez, monsieur agro gros. On se sort. Youhou. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ce bug? Vous êtes sérieux? J'avais fait une stratégie et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, tu vas pas me faire venir au corps à corps, si? Ah, vous êtes sérieux? Bon, on va tenter de soigner le bug en appliquant la stratégie alternative B23. Stratégie alternative B23 qui consiste à aller au point de sauvegarde. Par là. Aller dans le point de sauvegarde. Voilà. On est du genre anxieux. Oui, des problèmes d'anxiété. Maintenant, donne-moi des médicaments. On sauvegarde. On ressort sitôt que cette greluche veut bien me laisser prendre un miroir. Voilà. La petite musique, là, c'est du Debussy, je sais. Non, pas du tout, Bob Lennon, tu connais pas tes classiques.
porter qu'un sac, je sais, ces angles de caméra, je n'y vois rien, c'est une catastrophe, je pète ce mur, on avance. Bon, on fait des méga sauts qui ne veulent absolument plus rien dire. On prend la torche parce que c'est cool. Les pièges sont toujours posés. Youhou! Eh ben, c'est buggé. Chers amis, c'est buggé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. J'ignore comment débugger la situation. En tout cas, je n'en ai absolument aucune idée. Je vous le dirai bien si je le savais comment. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et pour le coup, là, il va falloir que je regarde sur un forum et que j'examine la manière dont on débug cette merde. C'est pas très grave. Sur ce, je sais même pas si je peux vous présenter ça en tant qu'épisode. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Là, je suis en pleine crise existentielle. Que ce soit cet ennemi qui pose un souci. C'est cet ennemi qui pose un souci. T'es sérieux? Ne dis pas que c'est toi qui m'empêchais d'activer le. Bon. J'ai récupéré ton délicieux fluide en bocal, mais maintenant que c'est fait. Hein? Maintenant que c'est fait. Ou alors peut-être qu'il faut que j'aille parler à la chaîne. On va débugger ça ensemble, chers amis. On va débugger ça ensemble, je vous le jure. Je vous jure qu'à l'issue de cet épisode, on saura pourquoi il voulait pas sortir et on réussira à le faire sortir de sa coquille, le fumier. Bon, pour le buter, mais ça c'est autre chose. Allez. Ah là là. Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper c'est ça. C'est terriblement dur. Une tronçonneuse ou un truc du genre. C'est terriblement dur. Si seulement il y avait un homme avec une tronçonneuse qui était enfermé dans une grange. Oh wait. Allez, allons-y. Let's dance, motherfucker. Voilà, je le savais! Et d'une! Et de deux! Victoire! Victoire de ma stratégie! Toi! Toi! Espèce de fantôme d'Ezio Auditore, je suis persuadé que tout ceci est de ta faute! Attends. Déjà, prenons le délicieux bocal. Ensuite, tronçonneuse. Les dents de cette vieille tronçonneuse usagée sont recouvertes d'un amas indescriptible, probablement des boyaux. Et maintenant que j'ai une tronçonneuse, tu vas t'en servir contre tous les ennemis, tous les zombies, tous les monstres et tous les obstacles, n'est-ce pas? Tu es absolument invincible avec une tronçonneuse, non? Non, tu vas appliquer le poncif Resident Evilien qui fait que dès qu'un objet absolument épique est utilisé, plus jamais tu t'en serviras? Bon. Allons-y. Oui! C'est ça, débarrasse-toi de cette tronçonneuse qui serait pas du tout utile dans le gameplay. Ah putain. Mikami! Attendez! Oh, je t'avais oublié, toi. Attendez, officier. Ne me laissez pas derrière. C'est inspecteur Castellanos. Oh. Leslie ne doit pas être loin. Il faut absolument qu'on le retrouve. Oh putain, victoire! J'aime les transitions qui se font pas à cause du... Chapitre 3, terminé. Ouh, les clowns, c'est terrifiant. Spoiler, les clowns, ça me fait pas peur. Ah, victoire totale, victoire de l'amour, chers amis. Et ben voilà, on va arrêter cette session et notre épisode ici. Mon dieu. On progresse, on a récupéré plein de clés, on a buté le boss avec de la stratégie. C'est génial, de la stratégie qui a fonctionné, je n'y crois pas encore moi-même, c'est ça qui est absolument excellent. Et sur ce, chers amis, gros bisous à tous, merci infiniment, un petit pouce vers ça aide. Abonnez-vous si vous voulez savoir la suite et la fin de comment tout ceci va se terminer. Et à la prochaine, allez, sous. Oh, miséricorde.